notamment avec leur postérité avancée. Aujourd'hui, un Grec peut être payé 500 euros par mois. Il est donc aujourd'hui compétitif avec un Chinois des grandes villes. C'est absolument merveilleux. Mais ça n'est pas nous le modèle que nous défendons. D'autant moins d'ailleurs que l'agriculture, notamment, est un enjeu essentiel dans les années à venir, parce que je vous rappelle quand même que la population mondiale continue d'augmenter de façon exponentielle, et que donc demain la question, ça va pas être de savoir si on peut s'acheter l'iPhone 5 ou tel écran télé, mais ça va être de savoir comment on peut se fournir du gaz, comment on peut boire et comment on peut manger. D'ailleurs, les Chinois ont si bien compris qu'eux investissent partout dans le monde, ils achètent des territoires partout dans le monde, et notamment en France d'ailleurs, des hectares entiers, ce qui fait que demain, même vous, sur votre propre territoire, vous serez peut-être contraint d'acheter votre nourriture 4 à 5 fois plus cher, parce que le sol sur lequel vous vivez ne vous appartient malheureusement plus. Mais s'il n'y avait que le sol, il y a aussi notre patrimoine, d'ailleurs, que les Qataris s'empressent d'acheter régulièrement. Extraordinaire, ça aussi, les liens de nos gouvernants avec le Qatar, fabuleux. Quand on voit les reproches, les critiques atroces qui sont faites à Poutine, ce dictateur atroce, c'est vrai que les Qataris dans le genre sont adorables, le droit des femmes est vraiment merveilleusement bien respecté, ça n'est pas du tout un peuple qui fait crever 45 Népalais pour construire leur stade de foot en plein été, ou qu'il faut venir les travailler en leur volant leur passeport pour les mettre. Comme partenaire économique. Le troisième outil est celui probablement le plus important et en même temps le plus difficile à défendre, tant le tabou est fort en France de ce point de vue-là, c'est l'outil monétaire. C'est l'euro. L'euro, nous ne sommes pas les seuls à défendre sa remise en cause dans la classe politique française. Dupont-Aignan également le fait. Dupont-Aignan, de son petit nom, pour tout vous avouer, qui est un voisin, hein, d'ailleurs, avec un certain nombre de non-inscrits dans les bureaux, également Noël Mamère, d'ailleurs, qui est tellement charmant avec moi que c'en est presque effrayant, je ne vous le cache pas. Et, ouais, mais oui, de temps en temps, on a des surprises, hein, j'ai quand même quelques ministres qui sont venus me saluer, je pense à Monsieur Héro, Monsieur Basse, un peu avec la grimace quand même, et alors moi je ne t'oublierai jamais, bien que nous soyons croisés trois fois de suite, donc voilà, c'est rien à y faire. Mais voilà, et donc cet outil monétaire, néanmoins, une fois de plus, nous avons raison avant les autres. Souvenez-vous, il y a 40 ans de cela, lorsque nous parlions des risques liés à la politique migratoire, personne ne nous écoutait, tout le monde riait de nous, c'était ridicule, c'était lamentable, c'était fasciste, quand ça n'était pas nazi. Aujourd'hui, les faits nous ont donné raison. L'euro, c'est exactement la même chose. Nous assènerons cette mesure autant qu'il faudra si nous devons forcer le débat, parce que sachez que c'est un débat qui a lieu aujourd'hui en Allemagne et dans un certain nombre de pays de l'Union européenne. Aujourd'hui, il y a quelques jours de cela d'ailleurs, M. Montebourg disait « l'euro est trop fort, si nous pouvions dévaluer l'euro de 20%, nous comblerions notre déficit extérieur et nous créerions 300 000 emplois ». C'est une vérité, l'outil monétaire est un outil de souveraineté indispensable. Aujourd'hui, notre monnaie est trop forte pour notre économie, elle est taillée pour l'Allemagne, comme d'ailleurs l'Union européenne est taillée pour l'Allemagne. Souvenez-vous, l'élargissement à l'Est, les 27, c'est l'Allemagne qui l'a voulu pour avoir des ateliers à bas coût à disposition et pouvoir nous concurrencer, notamment en matière industrielle et automobile. Et donc cet outil monétaire, nous forcerons le débat s'il le faut, mais nous n'en démordrons pas parce que c'est un outil qui nous permettra, avec un certain nombre d'autres mesures, de combler notre déficit structurel. Aujourd'hui, vous savez que la politique qui est menée fait que le poste des intérêts de la dette est en phase de devenir le premier poste de budget d'État devant celui de l'économie, devant celui de l'éducation nationale, pour la simple bonne raison que
En 73, nos gouvernants ont eu la bonne idée d'imposer à l'État français d'emprunter sur les marchés financiers, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'État ne peut plus emprunter auprès de la Banque de France dans des taux intéressants, voire nuls. Si vous conjuguez cela à cette monnaie trop forte, vous arrivez à un déficit qui, malheureusement, inéluctablement n'aura de cesse de grandir, puisque nous, voilà maintenant plusieurs fois que nous remplissons que nous sauvons l'euro à travers des plans de refoulement à plusieurs dizaines de millions d'euros, puisque vous savez que cette monnaie nous coûte extrêmement cher. Elle a permis à des pays comme la Grèce notamment d'emprunter à des taux extrêmement intéressants, alors même que leurs économies n'étaient pas en mesure de rembourser cela. Et c'est aujourd'hui les pays dits riches qui payent pour les excès de ces pays plus pauvres. Aujourd'hui, la France, c'est un pays qui est contributeur net à hauteur de 7 milliards d'euros par an. Nous versons à l'Union européenne, nous versons 20 milliards d'euros, nous n'en récupérons que 14 à travers les politiques européennes. C'est vous dire que nous avons les moyens politiques, contrairement à ce que disent nos gouvernants, de réorienter l'Europe. Nous avons les moyens politiques parce que nous sommes un des pays fondateurs, nous avons un poids politique particulier et nous avons un poids économique quasi déterminant. C'est pourquoi Marine Le Pen défend l'idée de réorienter cette Europe et d'imposer plusieurs mesures, de vouloir négocier les traités et plusieurs mesures à son arrivée au pouvoir. Parmi celles-ci, il y a la priorité du droit national sur le droit européen, parce que nous sommes un peuple souverain et nous avons le droit de décider chez nous, pour nous, les lois qui doivent être appliquées. Parmi celles-ci, il y a également la renégociation de l'espace Schengen, qui fait qu'aujourd'hui la libre circulation des hommes fait qu'au tourisme migratoire, la France est encore la grande gagnante, hein, et que chaque fois que des pays naturalisent ou que les frontières continuent à être poreuses, c'est évidemment en France que ces immigrants viennent en premier. C'est d'ailleurs extrêmement amusant, encore une fois sur ce plateau de mots croisés à France 2, où il disait, oui, il y avait une femme dont j'ai oublié le nom, qui était communiste, qui nous expliquait que tous ces gens, tous ces gens qui venaient pour les droits de l'homme, oui, bien sûr, mais c'est ça, oui, ils lisent Rousseau, hein, d'ailleurs, dans leur truc, ils disent, oui, cette patrie extraordinaire, ils viennent pas du tout, parce que lorsqu'ils arrivent, ils ont un logement gratuit, des aides gratuites, l'éducation gratuite, ça n'a rien à voir, pas du tout. C'est vraiment Rousseau, la Révolution française, hein, l'esprit droit de l'homme qui les motive sincèrement. Ça veut dire que soit vraiment c'est de la naïveté, ou de la bêtise, dans une autre bulle que la nôtre, c'est-à-dire la vraie vie, tellement ce genre de raisonnement est aberrant. Bien évidemment, il y en a fort heureusement qui viennent encore parce qu'ils trouvent la France attirante, non pas pour ses aides sociales, mais pour son histoire et sa culture. Mais malheureusement, vu les proportions, aujourd'hui, ce n'est pas une majorité. Donc il y a ces enjeux de souveraineté, il y a l'espace Schengen, il y a cette histoire de politique monétaire, et malheureusement aujourd'hui, nous sommes les seuls à défendre ces propositions, nous sommes les seuls à vouloir changer de modèle économique et donc vouloir sauver l'emploi dans ce pays. Nos élites sont sourdes à cela, quand bien même on verrait que nous forçons au débat. Mais c'est pour soi aujourd'hui, nous sommes dans un vote d'adhésion parce que nous proposons...